Alors, comme tu es responsable de la jeunesse sur la chaîne de télévision la plus regardée de France, je vais te faire une interview moralité pour savoir à qui nous confions nos enfants. D'accord ? Alors, première question, as-tu déjà piqué quand tu étais petite dans le porte-monnaie de ta maman ? Oui. Ah ! Est-ce que tu as déjà fouillé dans les poches de la personne avec qui tu vivais ? J'ai souvent failli, mais non, je ne vais juste pas aller jusqu'au bout. C'est pas bien. Même dans la braguette ? C'est pas forcément la même poche. Es-tu déjà sorti avec la copine d'un copain ? Avec la copine d'un copain, ça a dû m'arriver, ouais. Ouais ? On te citera à l'ordre du mérite. Imagine, pour une action de bravoure que t'as pas commis. Enfin, t'étais là, mais c'est pas toi qui a fait le geste qui a sauvé. Je dis que c'est pas moi. Mais t'es vraiment comme ça ? Mais je suis désolée, écoute, oui, pose d'autres questions. Mais je sais pas, non ? Mais non, je dis que je te fais une interview moralité, t'arrêtes pas de me faire des réponses morales. Bah oui. Fais-moi des questionnaires immorales. Tu trouves... ça va venir. Tu trouves un nourrisson abandonné sur un paillasson. Ah, j'ai fait souvent ce cauchemar, quelle horreur. Tu vois ? C'est-à-dire que l'idée de trouver un môme, ça te file des cauchemars. C'est pas ça, mais un bébé abandonné, qu'est-ce que t'en fais ? Tu le prends, tu le gardes ? Justement, c'est toi ou l'orphelinat, alors ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je préfère que ce soit moi. Mais, quelle responsabilité ? Fais gaffe de pas dire ça à la télé, parce que les gens vont aller déposer des mômes. C'est bien si bien. Des fois, tu joues aux cartes chez toi avec ta maquilleuse, des gens qui travaillent avec toi. Tu triches. Oui. Tu trouves ça moral de tricher avec des gens qui sont tes employés ? Oui. Parce qu'on triche, elle aussi, elle triche. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.